ça m'a l'air déjà plutôt pas mal. Eh bien salut à toutes et à tous l'âme compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, très bon dimanche à vous. N'oubliez pas de boire, c'est très important, il fait chaud. Stay hydrated, voilà c'est très important. Aujourd'hui nouvelle visite de parc d'attractions. Un parc d'attractions qui s'appelle Antica Land. Donc antique, vous l'aurez compris, Antica Land, donc c'est en rapport avec le monde antique, enfin avec l'époque antique et non pas quantique. Oh allez, bref. Antica Land, ça a été créé par Tovax. Ça a été créé en plus de 2 mois. Au niveau de son niveau, il se débrouille bien. Bon, visiblement on a déjà un petit aperçu. Ça a l'air déjà relativement très sympathique. Donc voilà un petit peu, on va visiter ce parc d'attractions. On va passer du bon temps ensemble, n'oubliez pas déjà à l'avance de déposer le petit like si vous pensez que vous allez passer du bon temps. Et puis sinon vous attendez la fin, vous mettrez un like, il n'y a pas de problème. Également les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez au fur et à mesure. L'entrée, on a une petite route ici directement avec un panneau ici. Alors tout de suite moi je vois ça, welcome to. Je me dis bah le nom du parc c'est écrit en bas à gauche, Antica Land. Bon bah alors Antica Land, bah c'est formidable. Voilà, non bah je pense que c'est juste le panneau, mais j'espère juste que c'est juste le panneau parce que sinon ça va être compliqué. Sinon ça va être compliqué si tout est des préfab avec une entrée de type on dirait en fait que c'est une zone un peu de guerre puisqu'il y a des plots absolument partout. En fait on dirait la frontière. Oh j'ai failli dire une dinguerie. En tout cas faites attention à vos véhicules puisqu'il y a des cailloux qui sont sur la route. Il faut faire attention. Alors on a ah mais la vraie entrée elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore. Bon en tout cas là c'est pour le parking, 10€ le parking, allez suce mes boules. On a donc l'entrée ici pour le parking. Il a le mérite d'être là dans tous les cas avec une porte ici pour le personnel bien sûr. Là à tout moment regarde, les mecs ils escaladent le caillou et ils rentrent dans le parc, personne n'y verra rien. Là je pense qu'il faudrait mettre des petites barrières. Ah bah tu vois là t'as mis des barrières ici, il aurait peut-être fallu continuer le grillage jusque là-bas parce que c'est vrai que là moi si je veux je rentre. Voilà, moi je suis quelqu'un qui cascade un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais là mon ref, en fait j'explique, il y a une boutique. Il y a une boutique qui mène à nulle part. Bon ok, bon déjà tout est préfab hein. Ça peut pas être fait par lui, s'il y a une boutique qui mène à rien ici. C'est que c'est un préfab, il a même pas pris la peine d'enlever le machin. C'est pas un problème, attention je suis pas en train de dire que c'est un problème. Je dis juste que si c'est pas lui qui l'a fait, bah on va pas s'attarder là-dessus, c'est totalement normal, tu vois. Nous on va s'attarder sur ce qu'il a fait. Le but du jeu c'est de visiter ce qu'ont fait les abonnés, pas ce qu'ont fait les autres, tu vois. Donc voilà, je pense que tout ça c'est du préfab. En tout cas, là je vois pas pourquoi il y aurait ça. Enfin, pourquoi d'ailleurs t'aurais juste pas mis un mur? Pourquoi t'as pas enlevé la boutique, je comprends pas. Bon, bref. Dans tous les cas, le parking, il est là. On a des visiteurs qui sont là, très bien, ils sont contents, ils sont heureux. Les visiteurs peuvent passer par là, très bien, c'est parfait. Avec le portique de sécurité, la police qui est là. Et donc ici l'entrée parking. Là c'est l'entrée piéton directement hein, on va dire voilà. Qui viennent d'un métro, qui viennent d'un bus, enfin peu importe de comment ils sont venus, ils viennent à pied ici. Ils ont les petits portiques également à l'abri du soleil. Ça fait plaisir parce que eh ben il fait chaud. Voilà, on a donc les entrées ici. J'aime bien le fait d'avoir mis éparpillé des roches comme ça. C'est assez amusant. Bon, les lampadaires volent, mais c'est pas grave. Faut faire attention à ça. C'est des détails, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même mieux que tout soit fixé au sol, quoi. Bon, je vais pas toucher parce que ça a l'air d'être un regroupement de plusieurs bâtiments. Ah oui, d'accord, il a regroupé les lampadaires avec un truc là. Oh là là. On a des panneaux. La sortie, les ATM. Souvenir boutique. Très bien. Là, ça doit être réservé pour le personnel. Tout à fait, ici c'est pour le personnel, on va regarder un petit peu quand même vite fait. Il y a le bâtiment des employés, on a les backstage de la boutique souvenir. Ouais, il y a deux... En fait il y a deux bâtiments, regardez qui ont été, ouais, il a mis deux bâtiments assemblés ensemble en fait. Ok, très bien. Des poubelles qui fument. On a déjà des petites lumières, donc on sait que de nuit on peut faire des coasters visiblement. On a un coaster qui passe dans les backstage, ça c'est sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre là ils sont en train d'attendre genre longtemps hein. Là ils sont en train d'attendre quand même longtemps sous le cagnard là hein. Les pauvres. On a le carrousel en plein milieu donc de l'entrée, ça c'est chouette. Le niveau de la file d'attente est bien simpliste hein, végétalisé, très bien. En plus ça fait des petits zigzags, ce qui te donne l'impression que c'est pas long alors que du coup la file d'attente est longue, donc c'est très bien. C'est pas non plus linéaire donc c'est parfait. Bon donc les bâtiments on va pas trop y prêter attention. Donc c'est bien, il y en a vraiment un petit peu partout. Petit milkshake, premier secours, point d'information. Là, c'est des toilettes. Mais. Bon, là encore, c'est accessible. Là, tu peux aller aux toilettes ici. Bon, faut le savoir que c'est. Là, tu vois, quand t'es un visiteur. Ouais, tu le vois ici que c'est les toilettes, ça va. Mais faut le savoir quand même.
Là par contre c'est pas vraiment accessible hein. Ici il y a une tiki torche et tout faudra l'enlever la tiki torche. Puis là les feuilles, moi j'ai pas envie de me frotter le cul avant d'aller me couler un bronze quoi. Ok, petite cascade d'eau ici, petit point pour se restaurer. Ah je voulais voir de nuit. Je voulais voir de nuit. Ah on a des belles petites lumières. C'est joli. Oh c'est joli. C'est un dark ride à l'intérieur. Non ça c'est pour la file d'attente. Ok bon je regarde vite fait la file d'attente en sens inverse. Très bien, parc à bœuf. Cool. Oh, c'est bien les petits effets de lumière là sur les rails, j'aime bien. Ouais c'est bien ça d'avoir mis des lumières là comme ça, c'est cool. Bon vous voyez le parc un petit peu de nuit. Ça change la vie quand même hein, un parc de nuit hein. C'est... Ça change complètement la perspective des choses. C'est vraiment chouette, j'aime bien. Allez on va faire un tour de ce coaster là qu'on attend depuis tout à l'heure. Donc là on monte des petits escaliers. Salut. Alors déjà la file d'attente, d'accord. Ok. Ah on a un pass prioritaire, j'avais pas vu ici. Ok. Bon allez, allez c'est parti. Propulsion directe. Et bah ça décapite, ça décapote. On est mort. Bon là, c'était très saccadé, surtout la fin, le freinage d'un coup. Alors, je mets pause parce que j'imagine, en fait, là, il faut se dire qu'il y a je ne sais combien de wagons sur le train. Est-ce qu'il n'y aurait pas une partie du train qui est en pente? Attendez. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai rien dit. Non, je m'attendais à ce qu'il y ait une partie qui soit en pente, là. Ce qui aurait été très désagréable. Bon, parce que ça freine quand même vachement fort. Bon, c'est des détails. On va accélérer. Ok, ça part. Il y a des trucs qui volent. Il doit me manquer un DLC. Merde. Bon là j'ai plusieurs choses à dire. Ok. Bah écoutez, je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors il y a juste un truc, je pensais et je pense toujours qu'il me manque un DLC malheureusement et ce serait pour ça que là il y a des lumières qui volent. Peut-être qu'il me manque un DLC et donc qu'il avait fait une structure que je n'ai pas. Donc là je peux rien dire. Par contre, ce que je trouve assez étonnant avec cette idée, c'est pourquoi là il y a une lumière sur les rails là. Et à un moment donné on s'en prend dans la gueule, attendez. Là par exemple là. Là c'est pas une histoire de DLC, là il y a un problème là. Là il y a un problème. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi tout a été... Enfin, je sais pas si c'est volontaire, si ça a été décalé, si c'est un bug. Bon, en tout cas, voilà, dans tous les cas, je l'ai trouvé quand même brutal. Et voilà, mais je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Oh, un des petits spectacles de jet d'eau. Mais là, c'est pareil, alors est-ce qu'il me manque un DLC Mais moi, je trouve ça dommage de laisser à l'air libre les effets spéciaux comme ça, tu vois. Il faudrait les camoufler, les cacher, faire un vrai tube, tu vois, parce que l'eau, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, le fonctionnement, je dis pas, mais il y a un tube, il y a un tuyau, quelque chose comme ça, tu vois, que ce soit caché, quoi. Je trouve que c'est dommage, ça. Bah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des poubelles. Mais en même temps, ça n'a pas de sens. Mais non, c'est pas des poubelles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait déjà un petit parc. Mais non, pas du tout, c'est pas un parc. Très sympa, ça, le panier dans l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout, si vous savez me dire, n'hésitez pas, parce que là je vois pas du tout ce que c'est.
Je vais passer pour un gros connard peut-être, mais alors là je vois pas du tout. Ok, très bien. Mais c'est ça, en fait, moi j'espère entre guillemets que c'est toi qui as fait ces constructions. Enfin, peut-être pas forcément les bâtiments à l'entrée, mais tu vois ça, parce que c'est quand même un truc important dans le parc, ce genre de construction, et moi je trouve ça chouette. Tu vois, moi je m'attarde là-dessus, quoi, je trouve ça super joli. En plus, il y a une vrille du coaster juste au-dessus. Je trouve ça génial, mais le problème c'est que si c'est pas toi qui as fait ça, bah, c'est un petit peu dommage, tu vois. Parce que c'est ça qui m'intéresse quand je vois ça, tu vois. Alors, un petit parc enfant avec un petit toboggan. Je crois que j'ai déjà vu sur le workshop celui-là. Comme ça, au moins, on est fixé. Ok, bah écoutez, on va voir le coaster qui passe par là en plus. À mon avis, il y a des jets d'eau qui se spritchent. On monte les escaliers. On sait bien qu'on soit intégré à la station. Ah, attendez-moi, 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 attendez-moi. Je vais me mettre dans la vue de Myriam. Non, elle s'appelle Lenora. Allez, Lenora. Impec. Allez, c'est parti pour le lift. Avec la petite musique, bien sûr, qui va bien. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on se prenne les arbres dans la gueule et les cailloux. Ça, c'est... Pourquoi? Pourquoi avoir laissé des obstacles, hein, vu que c'est toi qui as fait les coasters? Vu que c'est toi qui les as fait, pourquoi tu déplaces pas? Pourquoi tu... Enfin, s'adapter au... Adapter tout ensemble, quoi. Bon, et puis aussi, là, il y a des vrilles, c'est phénoménal. Là, tu pars sur la droite, enfin, ou la gauche, c'est comme vous l'entendez, peu importe. Mais bref, tu pars dans un sens et au final, hop, ça break dans l'autre sens. Mais là, le pire, c'est pas ça. Je crois que c'est là le pire. Enfin, en vrai, dans tous les cas, c'est pareil. Mais là, tu pars dans un sens. Et là, finalement, t'inverses. Et ça, c'est absolument terrible. Alors. Incroyable! Alors là, tu vas me dire qu'il y a des sensations? Bah, je veux bien te croire qu'il y a des sensations. Et là, c'est pareil. Hop là! C'est. Hop, 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 bateau pirate! Là, on a une file d'attente pour ce coaster-là. Très bien. On est dans les roches. C'est cool, ça. Ça c'est cool. Mais là c'est pareil, ta file d'attente, mon ref. Regarde, pourquoi il y a ce caillou là? Pourquoi il y a ce caillou? Pourquoi je peux pas l'enlever surtout? Pourquoi il y a ça? Vu que la file d'attente elle va là. Mais wesh! Mais c'est n'importe quoi! Bon, Brady, je suis dans toi. On y va. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça c'est bien, voilà, virage dans l'inverse, ça j'aime bien. Oh, ça vrille en fait. Oh là là, je l'ai pas vu venir celle-là. Bon, j'aime mieux ce coaster. Franchement, tout n'est pas mauvais, hein. Franchement, ce coaster, il est mieux que tous les autres qu'on a fait. Alors, je vais essayer d'un petit peu de pas oublier ce que j'ai à dire, parce que sinon, on va dire que j'ai pas d'argument. Et je pense que ça, c'est le problème du parc. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des collisions partout. Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est un bug au final? Je ne sais pas, il y a des collisions partout. Le début super cool ici, là, le fait que ce soit incliné dans l'autre sens. Bon, le fait que ça fasse une vrille ici, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Je ne sais pas. Après, ça reste quand même assez cassé, ça reste assez brutal. Bon, c'est pas... Voilà. Ensuite, là, le fait d'avoir fait des rebonds ici, c'est une très bonne idée sur la propulsion. Franchement, c'est très correct. Je crois que c'est là que ça m'a choqué. Hein. Je crois que c'est là que ça m'a choqué, c'était super brutal. Ou c'était là que c'était brutal, je sais plus. Mais après c'est pas mal, alors attendez. Ah oui. Voilà, bon là vous l'avez vu, vous avez compris. Là c'est hyper brutal, là c'est n'importe quoi. Voilà. Là ici c'est vraiment juste n'importe quoi. Par contre, à partir de cette zone de freinage, limite ça manque d'inclinaison là, tu vois. Ça manque d'inclinaison. Mais franchement après, pour le reste, bah, ça va super vite hein. On a l'impression d'être en accéléré. C'est vrai qu'on se croirait en accéléré hein. Alors à part la vitesse, sinon c'est pas déconnant, en vrai ça va. C'est quand même pas, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est, on se croirait en accéléré, il faut le dire. Mais ça va, en plus il y a plusieurs zones de freinage, il y a les notions de airtime, il y a les gauche-droite, ça fait plaise. Là c'est propre ici, là j'aime bien. Juste dommage, là ça aurait été pas mal que ça se finisse ici en vrai. Genre que tu trouves un moyen d'arrêter là quoi, ça aurait été pas mal. Je pense que ça c'est de trop. Là le retournement ici avec en plus un freinage en virage et comme ça. Là je trouve que là c'est de trop. T'as juste à couper cette partie là mais en vrai sinon ça va, c'est pas déconnant. Je trouve ça quand même un petit peu mieux. Voilà, donc maintenant si quelqu'un a envie de me dire que j'ai pas d'argument alors que je viens de citer tout ce que j'avais à dire, bon ben je peux pas faire grand chose hein. Ok. Bon, il y a des objets qui volent aussi. Ride photos. Ça c'est pour les photos de ce coaster là j'imagine. Zeus of the Rage. In the eye of the ranger. Ok, bah écoutez, let's go. On va y aller direct. Il y a un train qui arrive, c'est parfait. Allez, c'est parti pour le premier drop. Bon, à part les lumières sur le layout. Il y a deux temps. Voilà. Bon alors l'idée des airtime c'est cool. Au moins là il y a du airtime hein, c'est clair hein. Ça fait haut bas, gauche droite. C'est parfait. Non mais là il veut tuer. Pareil là il veut tuer ses visiteurs hein. Je vous jure. J'ai hâte de le faire. J'avoue ça m'excite. Alors je vais me mettre. Attends. Hop. Voilà. Tac tac tac. On va se mettre dans la vue de l'enfant. Bouge pas. On va se mettre dans la vue de l'enfant. Ça va être trop marrant. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants c'est l'avenir. Et que lui à mon avis il va mourir. Allez, c'est parti. Là, c'est pas mal. En vrai, là, c'était pas mal du tout. Ça doit piquer, mais c'est pas mal. Voilà, la vitesse. Très bien, ça. Là, je fais une pause parce que là, au moins, la vitesse, elle a été gérée. Il n'y a pas eu de freinage dans un virage parce que ça va trop vite, je sais pas quoi. Il n'y a pas eu de section crémaillère parce que ça va pas assez vite ou je sais pas quoi. Là voilà, là la vitesse a été super bien gérée, t'arrives ici, terminé, pesé, remballé, première partie du coaster, impeccable, voilà. Il faut le dire. Enfin moi, de mon point de vue hein, après, hein, ça reste mon point de vue. Bon. Et là ça tourne. Là par contre c'est le coup du lapin là par ailleurs. Bon la première partie était bien. Tu vois, c'est pour ça il faut quand même le dire. Maman, je veux aller à Milébius. Pour ceux qui ont la ref, waouh, le bateau pirate, c'est bon ça. Ah, il y a une petite reprise, j'aime bien ça. La petite reprise.
ce que j'appelle les reprises, c'est quand ça se raligne. Mais il y a des lampadaires qui volent, frère. C'est quoi l'embrouille? Oh, je suis désolé, Abraham, j'ai eu trop peur. En vrai de vrai, c'est quand même mieux que d'autres coasters qu'on a pu faire jusqu'à présent. Ça reste mieux que d'autres coasters qu'on a pu faire. Là, par contre, c'est très brutal. Là, regardez là. Là, celui-là, tac. Non, non, tu fais pas ça. Ça, tu fais pas ça. Non, non, il faut pas. Et c'est dommage en plus. Vraiment, alors j'ai envie de donner un conseil à tous ceux qui font ce genre de choses. Lâchez-vous. Ce que je veux dire par là, lâchez-vous. Là, vous avez prenez le risque, vous avez assumé là qu'il y avait beaucoup de vitesse. Bon, l'inclinaison, c'est encore autre chose. Tu peux incliner plus ou quoi. Mais lâchez-vous. Là, vous avez masse vitesse. Pourquoi vouloir absolument faire une zone de freinage et une remontée crémaillère? Alors que là, t'étais à je sais pas combien de kilomètres. Lâchez-vous, les mecs. Là, tu fais une remontée fluide. Tu vois, pas piqué comme ça. Tu fais une remontée fluide. Ça va permettre au wagon de perdre de la vitesse. Ça va te permettre aussi de switcher dans une autre direction, de pouvoir redescendre, remonter, faire ce que tu veux, mais t'as déjà la vitesse. Pourquoi refaire une montée ici? Sachant que là, je suis persuadé, la tête de Wham, on va essayer un truc. De ici à là-haut, je suis sûr qu'il y a assez de vitesse. Ok? Regardez, on va faire un truc tout con. La tête de Wham, en fait, je comprends pas, ça sert à rien de mettre ça. Je veux dire, vraiment, lâchez-vous. Lâchez-vous. Je suis personne pour vous donner des conseils, hein, mais quand même. Là, regarde, alors, on va faire un truc tout éclaté, tout nul. Non, je suis pas sûr qu'on aura assez de vitesse, mais c'est pas grave, on essaye quand même. On essaye, c'est pas fluide, on s'en fout. Je suis pas là pour vous faire un par l'attraction, les gars. Hein. Voilà, là pour. Et regarde, comme ça, on va faire un truc tout con. Juste pour que ce soit plus souple. Tu vois, comme ça baisse un peu. Hein? On va voir. Là, normalement. Eh ben, il n'y a pas assez de vitesse pour arriver jusqu'ici. Eh ben, c'est pas grave, lâchez-vous. Là, tu t'amuses à. Tu vois, regarde, là t'es allé vers la gauche. Et ben là, tu vas redescendre ici. Tu vas incliner, tu vas aller vers la droite. Bam, et puis après, tu peux éventuellement rejoindre l'autre rail pour faire une boucle. Enfin, peu importe, mais. Mettez pas de remontée. Vraiment, ne mettez pas de remontée mécanique ou encore moins de frein quand vous avez la vitesse et que vous avez l'occasion de pouvoir faire de belles choses, quoi. Vraiment, ça, c'est. C'est ce que j'ai à dire, c'est mon conseil. Elle est gigantesque la file d'attente, mais c'est très bien. Là, il y a des barrières et tout. Ouais, tu sens que les moyens sont pas mis partout au même endroit. C'est normal, hein. Le parc est pas du tout fini, j'imagine bien. Mais là, c'est très 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 sympa. Là, c'est bien décoré. Enfin, bien décoré. La construction est présente. Oh, au secours! Je vais me mettre dans la tête de Fred. Allez, go. Et on est sur l'eau. Bon, très bien. Alors, on va quand même mettre en accéléré. Bon, voilà. On se prend des arbres. Pas grave. On remonte sur des rails. Ah oui. Énorme. Ouais, bien ça. Bien ça. Bien ça. Bah, au niveau des rails là, franchement c'était très sympa. Là, j'ai bien aimé. On peut ne pas tout aimer, mais là j'ai bien aimé. Moi je trouve ça un petit peu dommage de faire ça en hauteur, les bacs à eau comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est que mon avis et je suis peut-être qu'une sombre merde. Mais moi je suis pas fan. Je préfère que ce soit au niveau du sol, on va dire. On reprend un énième lift. On passe au-dessus de l'allée. Ouais, c'est bien ça le switch. Mais non, fais pas ça. Mais non. Mais là c'est pareil. Pourquoi mettre un lift alors que t'avais toute ta vitesse? Bah, il y avait du gros potentiel, mais c'est dommage. Il y avait vraiment du gros potentiel, hein. Là, il y avait vraiment du gros potentiel. Mais non, mais là, t'avais tellement de vitesse, pareil. C'est vraiment dommage. Et puis, c'est con, parce que ça t'aurait permis, justement, de mieux jauger la vitesse. Parce que jusqu'à la fin, t'aurais perdu de la vitesse. T'aurais même pas eu besoin de mettre des freins, là. Vraiment, t'aurais pas eu besoin de mettre des freins. Juste incliner, du coup, plus. Là, tu peux pas incliner plus, puisque t'as mis des freins. Là, t'aurais eu déjà moins de vitesse.
autant de sensas parce que ça aurait bien tourné. Là ça aurait été beaucoup moins risqué pour les visiteurs. Et à la fin t'arrives tranquille comme un cheveu dans la soupe ici là. Vraiment hein. Alors oui tu serais allé moins haut à la fin, mais c'est pas grave. Y a pas besoin d'aller haut. En tout cas le potentiel est là. Et je souligne parce que ce coaster là il avait quelque chose, il avait une petite âme. Il avait quand même une petite âme, à part les bacs à eau qui pour moi étaient de trop. Mais il y avait une petite âme quand même. Bon voilà, j'ai essayé de donner quand même pas mal de conseils. J'espère vraiment que vous les aurez bien acceptés. Non mais en tout cas voilà, bah, après n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pareil, en toute bienveillance. Moi franchement il y a du bon hein. Évidemment il y a du bon. J'avoue que moi je suis quand même assez friand. Je préfère quand tout est fait vraiment maison. C'est vraiment super cool quand tout est vraiment fait maison. Au niveau des coasters, bon bah là au moins on sait que c'est fait maison. Donc moi j'ai donné un petit peu mes impressions. On a les backstage ici, c'est très bien. Enfin, en fait si c'est un petit parc à l'arrière, c'est génial. Bravo, merci beaucoup Tovax de m'avoir envoyé ton parc. Et puis merci pour ta confiance bien évidemment. N'hésite pas à regarder les commentaires, de voir un petit peu les appréciations des gens. Et puis voilà quoi.